Donc les poireaux, on les arrache parce qu'ils sont faits en pleine terre. Ils sont semés en pleine terre. Et ensuite, donc on les arrache. Donc il y a des racines qui sont relativement grandes quand on les arrache, qui sont à peu près grandes comme ça. Voilà. Le dessus du poireau, il est grand comme ça. Donc ce qu'on fait, on coupe la racine pour qu'elle soit comme ça. Ensuite, on va chercher la feuille du milieu à peu près là. En théorie, je pourrais presque aller jusque là. D'accord. Voilà. Donc vous coupez au-dessus. Ouais, au-dessus de la feuille du centre, d'accord. Voilà, là j'ai laissé, voilà. Et mon poireau, il est bon là. D'accord. Hein ? Pourquoi il faut ? On l'a arraché. Donc, on lui a coupé son système racinaire, on l'a arraché. Si on lui laisse des feuilles, la feuille, elle va demander à être nourrie. Donc, elle va pomper de l'eau. Et en fait, lui, ce qu'on va lui demander, c'est de s'enraciner en premier. S'il pompe beaucoup d'eau, le poireau, il va faire ça. Il va flétrir. Le moins il a de feuilles, le moins il va pomper. Quand on l'a fait en pépinière, on les a semés vachement près. Donc on les fait grossir et ensuite on les arrache pour les mettre en place. Alors, moi je fais comme ça, on pique un coup, on fait ça. Voilà. Et hop. Et on enterre jusqu'à où? Jusqu'à là, le fût blanc, pratiquement. Voilà, tu fais ça, regarde. Mes racines ne sont pas... Ouais, ça ne relève pas, ouais, ça c'est large. Tiens, ça, c'est vrai. Voilà.